Bonjour, je suis Ronan Blanchard, président du directoire de Rector Lesage. Notre groupe a décidé de s'engager pleinement, il y a de ceci 3 ans, dans une politique de développement durable de ses activités. Nous sommes en effet aujourd'hui absolument convaincus qu'il n'y a pas d'autre voie, qu'il n'y a pas d'autre ambition possible que celle de conjuguer harmonieusement nos performances économiques, environnementales et sociales. Nous avons donc lancé dans la période un grand nombre d'actions. Nous avons constitué un comité de pilotage RSE spécifiquement dédié. Nous sommes en train de constituer un réseau d'ambassadeurs RSE, mais je vais m'arrêter là, puisque Cécile Roland, notre directrice RSE, vous parlera bien mieux que moi de l'ensemble de ces sujets. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est réduire ses impacts sur l'environnement et sur l'homme, voire créer des effets positifs, tout en prenant en compte les attentes et les besoins des acteurs avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire les parties prenantes. Ainsi, pour définir une stratégie RSE pertinente, il faut avoir bien évalué ses risques, bien connaître ses impacts et dialoguer de manière efficace avec ses parties prenantes. Pour notre groupe, Rector Lesage, acteur de la préfabrication de solutions en béton, nos enjeux environnementaux sont l'efficacité énergétique, la décarbonation de nos produits et de nos activités, la réduction de la consommation de la ressource naturelle, et les enjeux sociaux et sociétaux sont la sécurité, la réduction de la pénibilité et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Face à ces enjeux, en 2021, nous avons défini une stratégie RSE structurée en 4 axes, les 2 premiers étant liés aux enjeux environnementaux et les 2 seconds aux enjeux sociaux et sociétaux. Nous vous les décrirons dans une prochaine vidéo. Cette démarche a été évaluée par l'AFNOR et nous avons obtenu en juillet 2022 le label engagé RSE avec le niveau confirmé, 3e niveau sur une échelle allant de 1 à 4. Ce bon niveau pour une première évaluation montre l'engagement de tous les collaborateurs et l'effort collectif mené depuis quelques années pour travailler sur les différents sujets de la RSE.